parole pour me dire, rien ne peut nous séparer de cet amour. Est-ce la paix, est-ce la richesse, ni la puissance, ni la domination, ni la force, ni les anges ne peuvent nous séparer de cet amour. Your love is kind. Your love is precious. You fill my heart with so much peace and joy. Merci Seigneur pour cet amour. Oh, c'est merveilleux. Jesus, you love me too much. Oh. Your love is true. Come on. Your love is high. Oh, your love is special. You fill my heart. You fill my heart with so much peace. With so much peace. As your promise, come on, come on. As your promise is a yeah, and amen. You're not amen, you're never lie. Jesus, you love me too much. Jesus, you love me too much. Oh, 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 merci. Jesus, you love me too much. Oh, 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 oh. Prenez avec moi Luc chapitre 11. Verset 5 à 8. Bien-aimé, je vais dire bonne fête à toutes les femmes de cette assemblée. Tous les hommes n'ont qu'à se lever. Levez-vous les hommes. Amen. Amen. Tournez-vous comme ça. Tournez-vous. Et dit bonne fête à vous femmes. Vous êtes vraiment merveilleuses.
Dis bonne fête. Amen. Amen. Si tu arrives à la maison, si tu n'as pas encore dit ça à ta femme aussi à la maison. Alléluia. Amen. Vous savez, la femme c'est la beauté, l'homme c'est la force. Là où il n'y a pas de femme, il n'y a pas de beauté. Vous êtes extrêmement belle ce matin. Hey, ah, j'ai dit vous êtes belle. Très très belle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 11. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répondit, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis. Même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. J'ai dit amen à quelqu'un. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la place de la prière et du jeûne dans la vie du chrétien. Lève ta main encore. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. S'il te plaît, tu as besoin de ça. Donne-moi l'esprit de prière. Élève la voix et prie encore au nom de Jésus. Pré. Papa, donne-moi l'esprit de prière. Mets en moi, mets sur moi l'esprit de prière. Seigneur, nous te prions ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, écoute-moi. Le chrétien qui ne prie pas sera un chrétien vulnérable. Tu n'iras pas loin dans ta vie chrétienne. Et Dieu ne fera pas grand chose dans ta vie. Bien-aimé, nous avons parlé un peu du jeûne. Et j'ai commencé aussi à vous parler de la prière. D'abord le verset 1 de Luc chapitre 11 nous dit quoi? Lisez-moi cela. En un certain lieu, lorsqu'il lui achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. Frère, les chrétiens d'aujourd'hui ne prient pas. Et si nous prions, si nous arrivons de prier, nous prions mal. Et la plupart du temps, nous attendons que les problèmes arrivent avant de commencer à nous lever pour prier. Mais quelqu'un qui a une vie de prière, qui prie préventivement, qui prie à tout moment, ce n'est pas que les problèmes ne vont pas venir.
Mais quand les problèmes viennent, tu vas t'en sortir toujours. Frère, nous ne devons pas attendre les problèmes pour nous réveiller. Commencez à prier. Vous crier sur tous les toits et demander la prière partout. Non. La prière. Ici, Jésus nous dit, chez moi, on dit, supposez que l'un de vous a un ami qui a reçu une visite. La nuit. Lui-même, il n'a pas de quoi recevoir son visiteur. Mais il connaît quelqu'un qui peut l'aider à recevoir son visiteur. Qui est son ami? Ils ont une relation d'amitié. La Bible dit, il est allé voir son ami. Commencez à toquer. Vous dites, mon ami, s'il te plaît, ce n'est pas mon besoin. Je viens de recevoir un ami qui m'a rendu visite à cette nuit-là. Je n'ai pas de quoi le recevoir. Prête-moi toi pain, donne-moi toi pain pour le recevoir. La Bible dit, si l'ami de l'intérieur de sa chambre lui dit, écoute, tu vois ce qu'il fait. Moi et mes enfants, moi et ma famille, nous dormons déjà. Pourquoi venir nous embêter à cette heure-ci? Parce que tu as reçu une visite. Frère, beaucoup de choses nous visitent. Tout n'est pas bien. Mais il y a quelqu'un vers qui tu peux aller à tout moment, qu'il soit à un bon moment ou à un moment qui n'est pas bon, au temps convenable ou à un temps qui n'est pas convenable. Il est allé voir son ami, il dit non, s'il te plaît, dis à ton ami que demain on va se voir. Ça peut attendre demain. Mais celui qui a reçu la vie dit non. Peut-être fait une affaire de honte. Interviens, fais quelque chose. One day. Je sais que dedans là-bas, tu as le pain. Lève-toi et donne-moi ça. Il continue à frapper. La Bible nous dit, même si, et c'est ça la leçon, même si il ne se lève pas pour lui donner le pain parce qu'ils sont des amis, à cause de la relation qui est entre les deux, chez moi, la Bible dit, je vous l'assure. Mais parce qu'il est en train de toquer sans arrêt. Parce qu'il est en train d'importuner. Il dit, je vous l'assure. Il se lèvera. Et lui donnera non seulement les trois pains, mais tout ce dont il aura besoin. Et Jésus ajoute, à celui qui demande, on va donner. Celui qui cherche, va trouver. Celui qui frappe, on va lui ouvrir. Frère, j'ai réfléchi beaucoup. Si cette parole est vraie, il y a un problème à notre vie de prière. Si cette parole est vraie, il y a un problème. Mais je vais vous rappeler le contexte dans lequel Jésus a dit ça. C'est parce que en haut, ses disciples lui ont dit, apprends-nous à prier. Et ça là, c'est une leçon de prière qu'il est en train de leur donner. Et quelle est cette leçon? La leçon de l'importunité. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le bon moment, même si ce n'est pas à cause de la relation, frère, Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mi yi hoto che ni ndo mi wa nwe sin gbende na mi le.
développement. Nous grandis. C'est à cause de cette relation qui lie les deux amis qu'ils devaient se lever pour le satisfaire. Quand tu là, Jésus a dit, mais si il ne se lève pas à cause de cette relation d'amitié qui existe entre les deux, mais parce qu'il est en train de l'importuner, il se lèvera pour lui donner tout ce dont il a besoin. Alors, je vais te dire avant d'aller plus bas, par anticipation, un homme qui prie ne vit pas avec des besoins non satisfaits pendant longtemps. Pendant longtemps, tu vis avec un besoin non satisfait et tu vis avec pendant longtemps. Ça veut dire que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Si tu pries, prie sans arrêt. Prie. Frère, Dieu se lèvera. Même s'il ne regarde pas à votre relation, à cause de ce que tu es en train de demander sans arrêt, frapper, importuner, à cause de ça, il se lèvera un jour. Il dit, il faut que je fasse ça pour que cet enfant me laisse. Pensez aussi à la veuve dans Luc chapitre 18 qui est allée voir le juge, un mauvais juge, un juge inique, pour lui demander de lui faire justice. Jésus a dit à la fin, il dit, regardez ce que dit le juge, le mauvais juge. Alléluia. Amen. Il dit, quoi que je ne crains pas Dieu, mais parce que cette femme me dérange, il faut que je lui fasse justice pour qu'elle me laisse tranquille. Quelle est la leçon qu'il y a là-bas aussi? La leçon de la persévérance et de l'importunité. Et Jésus a dit, et Dieu t'adira-t-il a fait justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et il conclut lui-même, je vous l'assure, il leur fera promptement justice. Frère, j'ai quelques remarques à partager avec toi sur la vie de prière du chrétien. D'abord, premièrement, la prière est la première preuve d'une vraie conversion. Comme un bébé qui vient de naître crie à sa naissance. Et c'est ce cri là qui prouve que ce bébé qui est né est bien né. De la même manière, un enfant de Dieu qui a connu une vraie nouvelle naissance, une conversion authentique, la première preuve, c'est quoi? C'est sa vie de prière. Frère, si tu es né de nouveau, on va voir ça dans ta vie. Ton amour pour la parole de Dieu. Le Nouveau Testament là. J'ai terminé ça en une semaine. Parce que tellement c'était savoureux. Je voulais découvrir celui à qui je viens de donner ma vie. Qu'est-ce que je vais gagner sur ce nouveau chemin? Frère, beaucoup de vous, votre foi n'a pas d'engagement. Vous ne poursuivez rien. Frère, confie ta vie à quelqu'un que tu ne connais pas. Je vais te dire que tu es un insensé. Je vais connaître celui-là à qui je viens de confier ma vie. Quand sera-t-il pour moi? Qu'est-ce qu'il y a au bout du rouleau là-bas? Et on m'a dit que c'est ici que je vais voir ça. On ne lit pas. Je vous ai dit, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes comme des enfants d'une grande naissance à qui leur papa a laissé un testament. Souvent, les papas laissent les testaments chez les notaires.
Mais nous, notre Père, il a laissé ça chez le notaire. Notre notaire, c'est le Saint-Esprit. Et un diable du Saint-Esprit, il nous a laissé aussi à nous une copie détaillée. Pour que chaque enfant puisse découvrir ce qui lui revient dans ce testament. Mais nous négligeons ça. Frère, comment ça dit la Bible? Tu vas découvrir ce qui te revient. Tu vas découvrir tes droits. Tu vas découvrir tes avantages. Amen. Tu vas découvrir ce qui te revient en tant qu'enfant de Dieu. Amen. La première preuve d'une vraie conversion, c'est la prière. Deuxième chose, la prière également, c'est une indication de notre santé spirituelle. Lorsque quelqu'un est en bon état spirituel, lorsque quelqu'un est en bonne santé spirituelle, tu vas voir, il prie. Lorsque tu as des difficultés pour prier, lorsque tu perds ta vie de prière, la prière commence à t'ennuyer. Les réunions de prière ne t'attirent plus. Je remercie Dieu pour cette église. Amen. Vous êtes en bonne santé et Dieu va vous donner encore plus la bonne santé. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte? Vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu? Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique? Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-Neuveau. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte-Neuveau. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis. Au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme. Frère, compare le nombre de personnes qui viennent un dimanche et le nombre de personnes qui viennent en intersemaine dans une église. Tu verras si les gens sont spirituellement en bonne santé. Vous me suivez un peu? Ici, la différence n'est pas trop. Et je prie pour quelqu'un. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sois plus un chrétien de dimanche. Amen. Dis ami, ami. Et le Saint-Esprit va faire quelque chose en toi aujourd'hui. Et tu ne vas plus seulement être un chrétien de dimanche pour s'habiller propre dimanche, pour venir dimanche. Non, tu es religieux. L'engagement d'un chrétien se voit en intersemaine. Je crois que quelqu'un a changé aujourd'hui. Amen. Frère, en dehors de la prière que nous faisons à l'église, quel est ton pool de prière personnelle quand tu es seul à la maison, en secret, quand il y a personne pour t'accompagner, comment tu pries? Lève la main. Tu vas prier que les attaques de l'ennemi comme ma vie de prière soient brisées. Amen. Lorsque Satan veut atteindre quelqu'un, ce qu'il attaque premièrement, c'est sa vie de prière. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. J'ai suivi un témoignage le vendredi passé sur la radio Maranatha. Une dame agent du diable. Comment ils vont dans les églises pour étouffer la vie de prière des gens, pour distraire les gens quand la parole de Dieu sort. Alléluia. Amen. J'ai
parlé aussi moi-même avec une dame sorcière qui a été dans une église longtemps. Elle me dit, les gens prêchent bien là-bas, mais ils ne prient pas. Frère, le diable s'en fout. Mais quand tu es un homme qui prie, il aura difficilement accès à ta vie. Prie que toute attaque de l'ennemi contre ma vie de prière soit anéantie. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, j'aimerais que tu sois sincère ce matin. C'est le cœur de la vie du chrétien. Toute attaque de l'ennemi contre ma vie de prière soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève la main. Tu vas dire tout ce qui est en moi et qui peut étouffer ma vie de prière. Seigneur, débarrasse-moi de ces choses. Détruis-les de ma vie. Lève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Seigneur, libère-moi. De tout ce qui peut étouffer ou éteindre ma vie de prière. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Assois-toi. Frère, la prière est l'élément central de la vie du disciple de Christ. Dans le psaume 65, verset 3, la Bible nous dit, notre Dieu est le Dieu qui exauce les prières. Je veux exhorter quelqu'un aujourd'hui. Dieu s'est engagé à exaucer notre vie de prière. Dieu s'est engagé à nous exaucer. Nous avons lu ça et je veux qu'on relise encore. Jean 16, 23 à 24. Vite, vite, vite. Allez vite avec nous. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Tout sera clair pour vous. Amen. Un homme qui prie ne marchera jamais dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Yes, come on. En vérité, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Et quelqu'un t'a dit amen. Tu es à l'église, dis amen. Amen. Je reprends. En vérité, c'est une affirmation. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il fera quoi? Il vous le donnera. Frère, pourquoi on demande, on ne reçoit pas? Et toi, mino bio pour ma caromoi. Écoutez, Miroto, j'ai passé des mois, presque 8 mois. Mbaï dibla y son tchaton. Sur le seul livre de Jean. Je viens de terminer il y a quelques jours seulement. Le seul livre de Jean, je ne lis pas autre chose. C'est le livre de Jean. Pendant plus de 8 mois. Mais est-ce que ce que Jésus dit là est vrai? C'est vrai? Lis le verset 24 aussi. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Frère Serge. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes sûr que c'est vrai? C'est vrai ça? Hein? Vrai. Non. Normalement, celui à qui Dieu fait cette promesse doit être un homme. Et il doit être comment? Totalement heureux.
Frère, écoute, il n'y a rien qui donne la joie aux chrétiens comme la prière exaucée. Il n'y a rien qui nous donne la joie comme la prière exaucée. Tu as demandé et tu as fait. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, écoute, il n'y a rien. Et là, Dieu nous fait une promesse illimitée. Ou bien, est-ce que c'est une promesse cadrée? C'est cadré. C'est illimité. Dis à quelqu'un, où est notre problème? Donc, quand on met les dents, fidèle, tout le monde, il y a un cas de gars. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Amen. Tout ce que vous demanderez. À mon nom, je le ferai. Afin que votre joie soit parfaite. Les gens les plus heureux sur la terre doivent être les chrétiens. Un chrétien ne doit pas être une personne déprimée. Une personne anxieuse pendant longtemps. Les soucis peuvent venir. Mais ce qui est ton souci, si tu présentes ça à Dieu dans la prière, ça va devenir un témoignage. Normalement. Quand nous avons une promesse, une promesse illimitée, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai afin que vous me serviez avec joie. Frère, en bas sur mes notes, j'ai écrit: un chrétien qui ne prie pas va vivre avec des besoins non satisfaits et dans la frustration. Des besoins non satisfaits parce que tu ne pries pas. Tu ne demandes pas. L'homme est ton recours. Prenez votre Bible là. Lisez moi Job 5, verset 8. Pour moi, vous pouvez recourir à l'homme. Mais moi, je vais recourir à qui? À Dieu. Job 5, 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Yeah. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes. Et comment? Insondables. Des merveilles sans nombre. Extraordinaire. Extraordinaire. Faveur Dieu. J'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que je vais exposer ma cause. Car il fait des choses grandes et insondables. C'est un Dieu de merveille. Frère, si tu ne pries pas, tu n'auras pas de témoignage. Dis amen avec moi. Un chrétien qui ne prie pas n'aura pas de témoignage. Se plaît. Frère, je peux vivre au milieu des sorciers. Dormir avec eux. Je vais réussir au milieu d'eux. Parce que c'est une promesse. Si je peux prier, Dieu va exaucer. Frère, il n'y a pas cette chose-là. Rien n'arrête un homme de prière. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Donc je dis, Dieu s'est engagé à écouter notre prière. La prière est le moyen que Dieu a établi pour nos besoins.
La prière, c'est le moyen que Dieu a établi pour recevoir nos besoins. Un chrétien qui ne prie pas va vivre avec des besoins non satisfaits. Il vivra dans l'insatisfaction et dans la frustration. La prière est le principe du combat spirituel. Ça veut dire quoi? Un homme qui prie va marcher dans la victoire. Dis amen avec moi. Un homme qui prie, un homme victorieux. La prière peut tout changer. La prière peut changer votre vie. La prière peut changer votre état. La prière peut changer votre condition. La prière peut changer la vie de vos bien-aimés. La prière peut changer n'importe quelle situation. Alléluia. Frère, la prière peut changer l'église. L'église peut changer par la prière. Frère, je crois ça. J'ai trop vu l'effet de la prière dans l'église. Donc une église qui prie, c'est une église où Dieu change les vies. C'est pourquoi nous avons dit que ce lieu est un lieu de transformation de vie en Jésus-Christ. Dis amen pour ça. Dis amen, je vais attendre. C'est un lieu de transformation parce que c'est un lieu de prière. Cette église est née dans la prière. Fire prayer. C'est une église de prière. Plus que tout. Cette église. C'est connu partout. Que cette église. La dominance. C'est la prière. La prière. La prière. Le combat spirituel, la délivrance, l'enseignement des mystères. Voici nos identifiants. Tu ne peux pas être dans cette église et vivre dans la défaite. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et ma vie bibasi. À moins que toi-même tu sois là et ton esprit n'est pas là. À d'abord Yesu a ton fils à moins qu'il boite ma vie. Tu es partagé. À moins qu'il boite ma. Parce que si tu es là et tu n'es pas entièrement avec l'Église, les grâces qui sont sur l'Église ne peuvent pas couler dans ta vie. Donne nous à ton fils pour amaser qu'il boite bijou do à gulame. Frère, la prière peut ôter les obstacles de votre chemin. Est-ce que tu peux faire l'expérience? Lève la main, reste assis. Lève la main et parle avec moi. Tous les obstacles et les barrières sataniques, démoniaques de l'ennemi sur mon chemin soient ôtés ce matin au nom de Jésus. La prière peut ôter tout obstacle. Tout ce que l'ennemi a dressé sur ton chemin, la prière peut dégager ton chemin. Lève la main ce matin. Tout obstacle, toute barrière que l'ennemi a dressé sur ma route, sois ôté ce matin. Lève la voix, commence à parler. La prière peut dégager ton chemin. Frayez le chemin pour ton passage. Mon frère, prie. Parle. La prière peut ôter les obstacles. Les obstacles à ton avancement. Les barrières sur ton chemin. Oh, mon frère, prie. Insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Frère, lève encore la main avec moi. Les obstacles sur ton chemin. Les barrières sur ton chemin. Que l'ennemi a dressé sur ma route. Dans n'importe quel domaine. Ce matin, que tout soit ôté. Dégagé.
retiré. Parle au nom de Jésus. Mon frère, parle de ma vie. Les obstacles, les barrières que l'ennemi a dressées sur ma route. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La prière amène la pleine manifestation de la gloire de Dieu dans, dans la vie d'une personne. Donc paresser dans la prière, négliger la prière, manquer de prière, c'est se priver de la gloire de Dieu. C'est une coopération avec l'ennemi de notre gloire. La prière va amener la gloire et la prière va maintenir la gloire. Prie. Sois un chrétien qui prie. Prie. Hode. Prie. Hode. Demande l'aide dans la prière. Frère, le tout ne suffit pas de prier, mais de prier avec résultat. Vous êtes avec moi? Il y en a qui prient. Mais il sent le résultat. Ce qui amène la joie, c'est le résultat de la prière. Ce qui va te faire avancer, c'est le résultat de la prière. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Amen. Je dis amen encore à l'église. Amen. Je prie pour toi au nom tout puissant de Jésus. Que Dieu te donne une bonne vie de prière. Il y en a qui priaient, mais ils ont perdu leur vie de prière. L'ennemi a ôté la prière de leur vie. Si tu es là, et l'ennemi a ôté la prière de ta vie. Je ne parle pas des 3 minutes de prière, non. Je prie à partir de ce matin que Dieu remette la prière dans ta vie. Que Dieu mette la prière dans ta vie. Que Dieu remette la prière dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit aide ta vie de prière. Que le Saint-Esprit aide ta vie de prière. Au nom de Jésus. L'amour pour les réunions de prière. Que cela naisse en toi au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni. Que tes prières commencent à produire des résultats. Que Dieu ne te sauve pas les miracles. Que Dieu ne te sauve pas les merveilles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Sois béni. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte? Vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu? Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique? Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakodji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-de-Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte-de-Vaux. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis. Au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.